À l'ouverture du 6e sommet Union européenne-Union africaine ce 17 février 2022, l'Afrique est venue forte de ses nombreux atouts et richesses. En pleine mutation, le continent est un marché d'1,3 milliard d'habitants à majorité jeunes, une agro-industrie et un écosystème numérique émergent pour une coopération gagnant-gagnant. Une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement, cette Afrique-là pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d'opportunités de co-construction, de croissance et de prospérité partagée. L'Afrique met ses partenaires européens au défi de la solidarité dans le projet d'industrialisation et de transition énergétique du continent où 600 millions d'habitants vivent encore sans électricité. Voilà pourquoi nous sommes pour le maintien du financement de l'industrie gazière et pour les hydrocarbures, pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins et contraintes spécifiques du continent. Face aux conjectures sécuritaires, économiques, politiques et sociales, les pays africains ont résolu de diversifier leurs partenariats bilatéraux et multilatéraux. Une nouvelle dynamique de coopération dont l'objectif est de répondre aux priorités des États dans leur singularité. Nouvelle forme d'échange qui mérite la considération des partenaires européens, selon Moustapha Kima Hamat, président de la Commission de l'Union africaine.